ça je vais le partager. Non, on n'est pas du tout dans... En fait, il faut que je regarde... une petite seconde, je modifie un truc dans Maspero. Parce que... je cherche l'intitulé que j'avais mis. PHP, code PHP Unchill, voilà. Attends, je vais le refaire, ok. On va rechanger ça. Une petite seconde, voilà. C'est juste que... On va couper le son, une seconde. Voilà, voilà. C'est juste... On va couper le son, une seconde. Ok, et donc... On met ça dans Creative. Ok, et donc... On met ça dans Creative. Je le repartage. En plus, cette mise en abîme fantastique... je le repartage. En plus, cette mise en abîme fantastique, c'est exactement ça que je veux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je le vois? Je suis fatigué, je vois rien. Bon, j'espère que c'est ça. Admettons que c'est ça. Voilà. Ok. Alors, canaux fluviaux. Hey, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Il m'est arrivé plein de choses. Et là, aujourd'hui, demain, petit Maspero. Et après, vous savez où je suis? Je vais à Strasbourg au Festival Fantastique du jeu du Festival Film Fantastique, je sais pas quoi. Ça va être super cool, je sais pas trop quoi. Et je suis encore sous-alimenté en glucides, donc soyez sympa. Je vais voir si j'ai pas d'urgence, ouais. Aujourd'hui, on va tracer des cours d'eau. Donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est que, je vais être moins fort déjà. C'est que quand on a une rivière... Hey Nico! Bah écoute, déjà c'est cool de passer, merci pour ton petit coup. Merci pour ton petit coucou, c'est cool. Et quoi que tu fasses ce soir, que ce soit légal ou illégal, éclate-toi. Voilà. Ok Google, pardonne à Nico Ponk de partir. Je ne sais pas comment faire. Elle sait pas comment faire. Elle sait pas. C'est très légal, vraiment. Je te connais, Nico Ponk. Ok. Ok Google, tweet adieu Nico Ponk. De mon côté... Ok, je le tweet. De mon côté... Donc, on va faire les canaux. Donc, déjà, je sais même pas... Je suis un peu fatigué, mais... Je sais pas pourquoi, cet après-midi, j'ai pensé, je me suis dit, ça va pas être trop difficile, alors que ça m'a l'air vraiment très compliqué à faire. Déjà, la première chose, c'est qu'on va reprendre une partie. Mais alors, attends, je me souviens plus du tout... Antoine. Il y a des mecs, ils jouent au jeu en ce moment, Antoine ou Mathieu, quoi. En plus, Bastia, Ajaccio... Super. J'avais quoi comme personnage? Kester. On va reprendre une partie avec notre ami Kester. Voilà. Alors je suis dans une tourbière. Et en plus, il y a un ruisseau. C'est fantastique. C'est fantastique. Très bien. Et en plus, j'ai vraiment de quoi me nourrir. Je suis en pleine forme. La vie est belle. Voilà. Pourquoi doit-on souhaiter bonne chance? Ah, dating ce soir. D'accord, ok. C'est bien. Profite bien. Alors, le premier... Déjà, posons le décor. Nous sommes dans une tourbière sur un haut plateau. Au sol, des roches inconnues. Il y a une petite fleur argentée qui pousse là. Un grand buisson dressé bleu. Une mousse orange et une petite forêt de mousse noire. Il y a quelques gros champignons jaunes. Donc là, il y a des couleurs, tu vois. Il y a un troupeau de cheval vert émeraude. Hey, Cosmo, ça va? Cosmo, toute la journée, tu te bosses à Radio France. Et là, le soir, tu viens, tu te fais un peu de Twitch. C'est cool. Il y a un ruisseau nommé Langueur, ok? Et l'eau coule en direction de l'ouest. Alors, donc là, l'idée, c'est que à partir du moment où on a un bout de ruisseau sous les pieds, excusez-moi, on peut tracer un canal dans une direction. Mais le problème,
c'est que ce canal, déjà, il faut qu'il soit valide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer un canal qui va vers une montagne ou un océan. Et on ne peut pas tracer un canal vers un. Donc, je vais prendre ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose de fantastique. J'ai un carnet de notes Poufsouffle. Parce que je me sentais Poufsouffle dans l'âme. On va noter tout ça. Alors. Donc. On trace. Alors, quelles sont les conditions? Conditions pour lesquelles on ne peut pas tracer un canal. 1. Montagne. 2. Océan. 3. L'eau. Enfin, c'est plus haut. Attends, je vais un peu mettre, je vais enlever, je vais remettre le son maintenant. Hauteur. À moins qu'on puisse. Est-ce qu'on. Imaginons, on creuse, ça fait un canal. Et est-ce que l'eau peut monter? Je crois pas, non. C'est des sortes de barrages. C'est vrai, t'as du boulot en ce moment. Qu'est-ce que tu fais à Radio France? Tu fais ton propre podcast? Alors, on va faire tracer un canal. Il faut voir que aujourd'hui on peut tracer des canaux, on peut tracer des canaux, on peut couper des arbres, mais demain il faudra une pioche ou une hache. Pour ce faire, voilà. Alors, attends, je vais aller vers le sud. Là, il y a une source. Donc, je vais encore aller vers le sud. Ah, il y a encore une source, c'est fou, hein. Voilà, il y a plus de source, il y a plus de source, ok. Parfait. En plus, il y a plein de gens, c'est fantastique. Alors, je vais noter que je suis allé 3 fois vers le sud. J'ai besoin de prendre des notes de tout parce que, en ce moment, comme je suis en manque de glucides, je suis pas assez. Alors, 3 fois sud, c'est parti. Alors, on va faire quelque chose. En fait, j'aimerais plutôt aller dans un endroit. Attends, nord. Je sais, j'ai dit que j'allais. Là, je vais aller vers le nord, je change tout. Allons vers le nord. Ah putain, il y a un vent glacial. Ah ta mère. Aïe aïe aïe. Alors je vais vers le sud et je vais aller vers l'ouest. Ok, super. Je vais manger une aubergine majestueuse. Voilà. Ça va mieux. Ok. Donc, la source, on la voit dans Gestion Nature, si je me souviens bien. Quoi? Tu vas faire un podcast en janvier? Ouais, ben, déjà, c'est assez cher le camp 2, mais. Alors attends, un seul problème à la fois. Là, nous avons la rivière. Voilà. Y a-t-il une source ou une rivière? Parfait. Alors, un ruisseau nommé, blablabla. Donc là, il y a une source. Donc en fait, il y a ramassé fleuve et on va mettre donc un truc qui va s'appeler creuser canal. D'accord? Alors, explore, prendre acte égale canal. Prendre un peu de nom. Alors, type objet égale. What? Ok. Prendre acte égale canal. Type objet égale. Le type objet, il n'y a pas besoin. Par contre, j'ai besoin de quoi?
J'ai juste besoin, pour l'instant, de la nature du cours d'eau, d'accord? Donc ça doit être IDO. Voilà. Et comment on appelle ça? Canal O égale IDO. D'accord? Donc là, on va appeler ça creuser un canal. Le canal du Rhône, creuser un canal depuis le Rhône, depuis Langueur peut-être. Ok, on va appeler ça comme ça. Donc ensuite, on va aller dans un truc qui s'appelle gestion action. C'est fou, ça fait une semaine que j'ai pas codé. Je suis sur les rotules et je me souviens de tout ça. Donc quand même, magie de l'esprit, hein. Fantastique. Alors, si gestion action est différent de rien, on va appeler ça comme ça. Gestion, si creuser canal différent de rien, voilà, creuser canal. Ok. Déjà, regardons si ce simple check fonctionne. Ah, la connexion ce soir, waouh! Super. Alors là, je recharge, je regarde, rien de nouveau. Ok. Merde, je viens d'où? Je crois que je viens de l'ouest. On va essayer d'aller à l'ouest. Non. Non. Donc je vais aller vers l'est. Voilà. Et là, on peut creuser un canal depuis Opulence. C'est bon parce que Opulence. Ah, il y a Ouais. Ok, c'est pas grave, c'est normal. Parce qu'il y a le lac Opulence, il y a le. Tiens, je vais dire corriger ça tout de suite. En fait, on a deux fois Opulence parce qu'il y a deux fois, il y a deux, il y a le lac Opulence. Attends. Bon, je sais pas comment ça marche. On va dire. Laissons comme ça pour l'instant. C'est un autre problème qu'on verra une autre fois. Donc je vais creuser un canal depuis Opulence. Je clique dessus, il va rien se passer normalement. Voilà, c'est normal. On va. Donc l'idée, c'est quand on creuse le canal, on va demander. On va demander. Attends. On creuse le canal. On va. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. On va creuser le canal et on va demander dans quelle direction on va le creuser. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Donc. Je sais que. Quand on prend quelque chose, on s'est renommé, ouais, renommé. Ok, c'est un renommage. Là, je regarde comment j'ai traité le fait de supprimer toutes les actions. Renommage. Ok. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle input spécial. Parfait. Donc je prends ça. Et c'est dans les verbes prendre, parler. Hop.
médecin ouvre. Oh ben c'est parfait, c'est là. If act égale, donc on appelait ça comment? Je vais mettre là. Gestion nature. If act égale canal. Ok. Donc. Donc là, on va dire, c'est pas du tout Donc, dans quelle direction voulez-vous creuser le canal? Voulez-vous creuser? Et là, on va mettre toutes les valeurs, d'accord? A. BR. Ah! J'avais faim ce soir, je me suis fait des pâtes, c'était super. 150 grammes de pâtes. Ce qui fait 450 calories. Mais j'ai beaucoup donné aujourd'hui. Donc, vers l'ouest. Nord-sud-est-ouest, vers le nord. Est-ce qu'on a des majuscules aux points cardinaux? Je l'ignore. Vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Hop, hop, hop. Vers le nord, vers le sud. Vers l'est et vers l'ouest. Hop, 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 hop. Okay. Donc là, on choisit la direction dans laquelle on veut creuser le canal. On va récupérer quand même les données. Les données, la seule donnée qu'on transmet, je crois que c'est O. Très bien. Donc du coup, je vais appeler ça O égale dollar. Non, c'est nul de le passer juste avec ça. On va appeler ça canalo parce que canal égale non ouais ah c'est compliqué parce que j'ai plein de variables haut notamment dans les descriptions de maisons tu vois or forcément il y aura des canaux dans les villages sont fait ultra exception ultra rare. Donc là, c'est get ido. Ok. Donc là, dans quelle direction vous voulez creuser? Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc du coup, on va faire passer ça avec les mêmes propriétés gestion nature. Voilà. Donc, hop, donc explore.php act égale, on va appeler ça canal creuse, ok, mec creuse, canal égale canal, et là on met vers le nord, tout va bien. Ah oui, il faut m'expliquer aussi la direction, direction. Égale nord. Donc pour l'instant, c'est possible de creuser dans toutes les directions dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, je vais peut-être le mettre en
En style color là. Style color 555. Donc ça c'est bon. Donc là on n'est pas mauvais puisqu'on passe les données. Là. Donc je vais quand même mettre ça en ligne, voir et vérifier que ça passe bien. Ah, j'ai pas sauvegardé nature, j'ai l'impression. Alors que je l'ai modifié. Non, voilà. Alors, on regarde autour de nous. Je vais creuser un canal depuis. Ok. Et là, on dit dans quelle direction on veut creuser. Vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. C'est cool. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est là. Je vais quand même copier ça, comme ça je l'ai sous la main. Et on va traiter ça dans le même document. Voilà. Et ce sera en bas. Voilà. Donc ça, je le mets pour mémoire. Ouh. Et alors, c'est quoi l'idée? Alors attends. Donc ça, ouh, c'est compliqué ça. On peut pas avoir un petit truc simple de rien du tout là. Là c'est quand on mange, empoisonnement. Juste une petite truc tout simple là, tu vois. Là c'est l'arbre fantôme, vous vous en souvenez, c'était compliqué. Mais parfois je me dis, t'as réussi à faire l'arbre fantôme comme c'était méga relou quoi. Ah, mais c'est tellement que tout est tellement compliqué. Ah, c'est quoi ça? Impossible ramassage. Voilà, très bien. On va prendre ça. Donc, if act égale canal creuse. Canal égale. Canal. Donc ça c'est la nature de l'eau qu'on va creuser et direction égale direction. Et là en plus vous voyez j'ai mis nord, sud, oh putain l'horreur. Donc là j'ai mis en fait c'est nord, sud, est. Et ouest. Ouh. Donc ça c'est bon. Ok. Donc là j'ai ça. Donc, ensuite, pour l'instant on va pas regarder si c'est valide ou pas. On va juste le faire. Et après on rajoutera les protections et les validations. On va peut-être faire la protection tout de suite. Donc déjà la protection, c'est hop, voilà. Donc, là, on va faire. Select. Rivière. Je vais quand même regarder la base de données, comment ça se passe. Alors, rivière, montre-moi. Rivière, jolie rivière. Ça doit être ça. Idée... Ah, j'ai besoin peut-être juste de idée rivière et pas de idée eau. Ah. Attends, et on fait passer quoi? Attends, IDEO, on fait passer quoi? C'est quoi ce truc IDEO?
a juste besoin de l'y dériver en fait. Ah, j'ai besoin de tout peut-être. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de tout, c'est cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Select, idée. Putain, je vais tout prendre, ça là, c'est cool. Select, idée, rivière, taille, nature, nom, from, rivière. Ok. À part que je vais... Non, alors, ah, peut-être... Where. Id égale canal, d'accord. Alors, plusieurs choses. Il faut que je protège canal, déjà. Ça, c'est la première chose. Where id égale canal. Je cherche les parenthèses. Non, en fait, je cherche les crochets. Voilà, ça, je cherche. Donc, voilà. Là, je mets canal égale canal, d'accord. Donc là, on a récupéré... les données pour bien l'exécuter. Par contre, il va falloir vérifier qu'on est bien dans un endroit où il y a la bonne rivière, d'accord. Est-ce que j'ai, par le plus grand miracle, j'ai longitude et latitude? Non, ce serait trop simple. Ah putain, je me déteste quoi. Select. Select id from map. Longitude. Il y a longitude et latitude. Donc là, je vais chercher le petit morceau de carré où se trouve. Je vais chercher le petit morceau de carré où se trouve la map, enfin l'idée map quoi. On est d'accord, idée map, d'accord. Donc je récupère cette donnée là et je vais vérifier que donc je vais chercher les informations de la rivière qui vont me permettre de créer le canal annexe de la rivière. Et une des conditions, c'est que la rivière est bien sous mes pieds. Voilà. Donc, idée. Idée map. Je vais appeler ça comment? Égal idée map. Voilà. Est-ce que vous faites des mauvais rêves la nuit? Parce que moi j'en fais plein en ce moment. Ok. Donc là on exécute. On fetch. Et je récupère toutes les données. Pa, 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 pa. Trop bien. Donc là ensuite, on est bien. On a vérifié que ça existait. Tu vois. Je vais appeler ça idée valide. Tu vois. If id est valide, différent de rien. Dans ce cas-là, on va ajouter, on va créer notre rivière. Donc là, déjà, on va chercher l'idée map qui correspond à
Nord-sud-est-ouest. Ça, on va faire un... Donc, il me faut, attendez, je vérifie dans la base de données. La seule indication géographique. Excusez-moi. La seule indication géographique de la rivière que nous allons créer, elle est ici. Hey! Ça va le canard? Tu fais des mauvais rêves aussi? Merci d'être là. On est en train de faire des canaux là. D'ailleurs, le castor, il doit... C'est quoi la quête en cours du castor? Jusque vers un village. Ça va être folklore. Donc. Alors, une fois de plus. Alors, on va créer deux choses. If, if direction. Alors, si on creuse vers le nord, d'accord? If direction égale nord. J'ai des flashs de ouf là. If direction égale nord, que se passe-t-il si la direction est le nord? Donc, on va appeler ça add longitude. Égal, donc le nord, on creuse vers le nord, la longitude, ça rien ne change, mais la latitude, on rajoute 1, d'accord? On met plus 1. Si c'est le sud, c'est moins 1. Là, je tente un truc, hein, je suis pas sûr que ça marche. Alors ensuite, si c'est est. Est, c'est par là. Donc, c'est latitude plus 1. Ok. Ici, c'est ouest, latitude plus 1. Ce qui est intéressant, c'est que. Donc là, et je rajoute Adlo et Adla, juste à côté de mes. Tu vois, longitude Adla. Adlo, latitude Adla. Ok. Je sais pas si ça va marcher. Hey, le canard! Hey, Litanie! Ok Google, tweet, bonjour canard. Ok, je le tweet. Ok Google, tweet, bonjour Litanie. Ok, je le tweet. Ok Google, tweet, bienvenue sur peut-être le meilleur Twitch de des Twitch. Ok, je le tweet. Ok, donc là, je récupère idée map new, qui est l'idée map qui va nous permettre d'insérer ce qu'on veut. Et donc là, on va insérer notre nouvelle rivière. Va insérer, insérons notre nouvelle rivière. Insert into. Insert into. Rivière. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi dans mes rivières? Alors, idée, il le fait lui-même. Idée map, ça c'est bien. Idée map. Ok. Taille, j'en ai besoin aussi. Parce que plus le ruisseau va. Quand tu vas vers le nord, tu changes la longitude. Non. Quand je vais vers le nord, je ne change rien du tout. Quand je vais vers le nord, je change la latitude. Je rajoute 1. Écoute, le canard, si tu veux, on se cotise tous, on t'achète un globe terrestre. Hein, voilà. Taille, alors, ok. Nature, je me souviens plus ce que c'était. Idée rivière, ça j'en ai très besoin, c'est très important. Non. Idée héros.
et date. Il y a du taf. Ok, idée. Donc là, on va mettre. Donc on insère value. Donc les values, c'est quoi? Entendez, ils sont nerveux les flics. Hein. Idée map new. Donc ça, c'est là où se trouve l'idée map. La taille, elle est là. Vous savez que la taille ne compte pas. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Petit fion gratuit, ça veut dire quoi? Non. Regarde. Ah ouais. Et ouais. Et ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. J'ai confondu la longitude et la latitude, mais j'espère que c'est une erreur que vous me pardonnerez. Ok, Google Tweet, j'ai confondu la longitude et la latitude. Ok, je le tweet. Ok, Google Tweet, merci canard. Je le tweet. Ok, Google Tweet, je vois un canard majestueux s'envoler dans les airs. Il est tout blanc. Pardon, je ne comprends pas. Et ouais, il a raison. Il a raison, non, c'est vrai. Il a raison. Je viens de baisser mon fauteuil en hommage à, pour me rabaisser. Ok, Google tweet, le canard est magnifique. Il s'envole dans les cieux. Ok, je le tweet. De quoi je voulais dire? C'est tout. Ok, Google tweet, mea culpa. Ok, je le tweet. Ah, petit fion gratuit. Ah là là. Les canards vous saluent. C'est bien. Alors, où en étais-je? Où en étais-je? Alors, j'étais en train de créer une rivière majestueuse au flot puissant. Vous avez déjà écouté la Moldo? Ça vous dit quelque chose? Ok. Alors, taille, nature, idée rivière. Est-ce que je l'ai? Je l'ai, idée rivière. Tout va bien. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Non. Alors, est-ce que d'après vous, alors question à l'Assemblée, j'ai une rivière, je creuse un canal, est-ce que je l'appelle canal de la rivière ou alors je l'appelle juste rivière? Par exemple, je creuse un canal dans le Rhône, il y a un nouveau Rhône qui se crée. Est-ce que je l'appelle différemment? Est-ce que je l'appelle canal 2 ou est-ce que je l'appelle rivière? Enfin. Ce que j'appelle le Rhône, le canal du Rhône ou la Saône, tu vois. Oh putain, je suis tellement heureux de pas vivre à Lyon. Excusez-moi, mais faut le dire. Non, idée héros. Alors ça, c'est idée héros, c'est une autre personne peut-être. Donc là, ce sera idée. Et date. On va tirer la date, je vais la mettre là. C'est comme ça. Est-ce que c'est la date en seconde? 2017, 06, 22h16, non. Donc, crois que c'est HI. Date. Ok. Il n'y a pas besoin d'exécuter avec l'objet. Normalement, c'est bon. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, donc l'action, ça va être quoi? Donc la dernière action qu'on a créée, c'était quoi? C'était du 31. Donc l'action 32, ce sera creuser un canal.
Hey Thomas du 511, est-ce que je me rappelle de toi Thomas? Mais je pense à toi tout le temps, tout le temps. Genre quand t'es pas là sur le tchan, on parle de toi. On dit mais il est où Thomas? Et moi je dis bah il nous a oubliés, il s'en fout de nous, il s'est foutu de notre gueule. Il a fait genre c'était notre ami, tu vois. Et en fait t'es de retour. Eh ben écoute, c'est la fête, tu sais quoi? Ok Google, tweet. Bienvenue Thomas. Ok, je le tweet. Ok Google, tweet. Tu nous as manqué Thomas. Ok, je le tweet. Vas-y, le canard, dis que Thomas, il t'a manqué. Ah oui, 30, donc on a dit que c'était 32. 32, c'est la création du canal. Et du coup, on va peut-être juste mettre non-rivière. Voilà. Voilà. On est bien. Je vérifie. Ouais, c'est normal. Ok. Donc là, normalement, notre système devrait marcher, modulo les bugs, et il est relativement protégé. La seule inconnue, c'est... donc prévenir les cas impossibles et après l'ajouter dans l'anthologie. Donc, on va... Retourne en arrière. Donc là, je regarde autour de moi. On va creuser un canal depuis le ruisseau qui s'appelle la Langueur. Et on va le creuser vers le sud, d'accord? Il ne s'est rien passé, d'accord. Bon, déjà, il y a pas, la direction, il n'y avait rien, c'était chelou. Attends, d'ailleurs, je voudrais regarder quand même si j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que ça a créé complètement. Ça a créé un truc. Il n'y aurait pas quelqu'un en ce moment qui est en train de créer des trucs? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ah, c'est une nouvelle source peut-être. Attends. C'est plus chiant à coder, non. Alors il y a Cosmo Flash qui a liké parce que s'appelle aussi Thomas, tu vois. Est-ce que Thomas du 50, du 511, tu viens du 51 ou du 11? Ou t'es né le 11 mai peut-être, tu vois. C'est ce qu'on se posait comme question quand t'étais pas là, tu vois. On disait il est mystérieux quand même. Alors attends, il y a un truc que je voulais faire, c'était quoi? Qu'est-ce qui marche? Ah oui, il y a un truc qu'on doit faire absolument, les gars. C'est faire un feedback. Non? Ouais, faire un feedback. Donc, c'est dans... Je mets quoi dans dialogue peut-être? On essaye ça. Ouais, je mets ça dans du. Je mets ça dans le dialogue qui va être un peu mon fourre-tout. J'ai plein de fourre-tout. Dialogue. Alors, vous creusez un canal. Un canal, donc c'était bien. Un canal depuis le Rhône. Depuis non-rivière. Vous n'avez pas répondu pour les... Hey Cosmo, ça va? Tu viens de Reims? Et tu sais quoi? Tu veux que je te raconte une vraie histoire de ouf sur Reims, mais de ouf, et qui est non seulement ouf. J'ai deux choses à dire sur Reims, mais il m'est arrivé un truc fou. Bon, je veux dire, le premier truc de Reims, c'est que j'ai toujours confondu Reims et Rouen. Okay? Et j'ai un moyen mnémotechnique que je vais partager en exclusivité avec vous. Moyen mnémotechnique, Reims ou Rouen. Dans Reims, il y a un E, donc c'est à l'est. Et Rouen, il y a un O, donc c'est à l'ouest. Facile à retenir. C'est mon moyen. Et génial ce moyen, non? J'adore. Je kiffe. Je dis toujours que si Star Wars, ça se passait à Reims, au lieu de Tatooine, tout le monde saurait où est Reims, tu vois.
Alors que c'est vraiment la ville méga OSEF. Ouais, et j'ai un truc à te dire. Un jour, j'ai pris le TGV pour aller de Nancy à. Ou une ville provinciale à la con, ce côté-là, à Paris, tu vois, la noble cité. Et j'étais à. Il y a un mec qui était à ma place, tu vois, quand j'arrivais dans le TGV. Donc déjà, ça se présentait plutôt mal. Et du coup, je suis allé à une autre place. Mais la place, elle était à l'envers. C'est-à-dire, j'étais. Au lieu d'être dans le sens du TGV, bah, j'étais dans l'autre sens. Et j'étais là, gna 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 gna, tu vois, Et qu'est-ce qui s'est passé? Fantastique, tu vois. Grâce à cette position-là, j'ai pu voir le plus beau, le plus bel arc-en-ciel de toute ma vie. Je l'ai vu tomber, tu vois. Comme ça, il était sur mon train, d'accord? Et je dis, c'est pas possible, c'est un signe, tu vois, il se passe un truc. C'est un signe, ça veut dire que là, dans cette ville, où se trouve le comment ça s'appelle? Où se trouve l'arc-en-ciel, c'est là qu'il y a ma destinée, un trésor, ou je sais pas que ce soit. J'ouvre Google Maps et je te jure, c'était Reims. L'arc-en-ciel, le putain d'arc-en-ciel que j'ai jamais vu de ma vie, tomber sur Reims. C'est ouf, non? La vie, c'est ouf. Alors un jour, j'irai à Reims. Un jour. Alors, vous creusez un canal depuis le Rhône vers. Dans la direction. Direction. Point. On va trouver une jolie couleur. Ouais, on va mettre ça en bleu profond. Pour symboliser l'eau porteuse de vie. Je réfléchis. Oh, du 8, ce sera très bien. Alors, elle est pas géniale mon histoire? No one cares. Ok. L'histoire de l'arc-en-ciel. Alors, je regarde à nouveau. Ah! Ligne 969. Eh oui, parce que j'ai oublié un petit point-virgule là. Ok. Alors maintenant, on va essayer de recreuser. Alors, je creuse. Là, la direction fonctionne, mais j'ai pas le canal, tu vois. C'est marrant que ça n'a pas passé. Alors attends, je vérifie. Canal égale 161. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma gestion canal? Je récupère. Et non! Voilà. C'est parti. Je creuse un canal depuis Langueur. Est-ce que je vais aller vers le sud? C'est possible. Yes, ça marche. Vous creusez un canal depuis Langueur dans la direction du sud. Donc je vais aller vers le sud. Ah putain, ça n'a pas marché. Vers le nord. Ok, on va regarder ce qui s'est passé quand même au niveau des. Alors, j'ai créé ou pas? Ça n'a rien créé. Pourquoi? Vais tester quand même. Alors, print ordre reçu. Ah non, mais attends. Ça a marché. Donc, non, là, ça a marché. Donc, normalement, ça a marché.
Et là, ça n'a pas inséré. OK? On va quand même le printer pour voir ce qui ne va pas. Alors, hop. Donc, les valeurs. IDMAP. Taille. OK. Nature. What? Non, taille. Nature, c'est beaucoup trop gros, ça va pas. Non, nature, c'est quoi ce truc nature? Je confonds. Attends. Idée, map, c'est ça. Ensuite, taille, ok, ça va pas. Il manque nature. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire nature. Taille. Ok, donc là déjà c'est un peu mieux. Ah, attendez, c'est quoi les... Hey Stéphane, ça va? Dis-nous, tous les copains sont là? Vas-y, alors, le canard a une histoire vraie à nous raconter. Il a pris le train pour Reims, il y avait le wifi. Je me suis dit, c'est ouf, je me suis dit, c'est ouf. Je me souviens toute ma vie. Ouais. Bah, ça dépend, t'as pris le Thalys, c'est ça? Je me souviens même pas si ça s'appelle. C'est le Thalys, c'est ça, celui qui va... Ah oui, le meurtrier du Thalys, je m'en souviens. Reims, j'ai entendu dire qu'il y avait des pluies acides. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vrai ou faux? Là, maintenant, je vais vers le sud. Ah! Par contre, attends, je retourne vers le nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours pas inséré. Toujours pas, toujours, c'est toujours pas intégré. C'est pas grave, mais on approche, on approche. Ok, vas-y, print-moi tout ça. Dim, fais-moi rêver, print. Ah oh, putain. Le saviez-vous, j'avais hyper faim tout à l'heure. J'ai mangé et je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux, je pourrais coder toute la nuit là. À part que je suis un peu éteint, vous m'avez vu, ouais. Et j'ai fait un truc ouf aujourd'hui. J'ai lancé des haches, genre. Enfin, vous avez dû voir ça sur mon Twitter ou sur. Alors, on va encore essayer de creuser un canal vers le sud. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, bah oui, il manque un. Non. Bah si, oh là là. Oh là là. J'ai une petite erreur de syntaxe. Alors le canard, il a eu l'œil tout à l'heure pour mes petites longitudes, latitudes, mais pour mes erreurs de syntaxe, il n'y a plus personne. Vous allez dire, je préfère que vous regardiez des choses plus saines, tu vois. Je creuse un canal, je vais vers le sud. Ok, je vais vers le sud et vous allez voir qu'il n'y a pas de... Ça ne marche toujours pas, mais on résout les problèmes un par un. C'est bon, je vois plein de problèmes. Alors, non, toujours pas. Ok. Alors, vas-y. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais demander de me le printer et après, je vais voir s'il n'y a pas un problème de... au niveau de la requête SQL là. À la longueur. Alors, on retourne vers le nord. What? Ouais. Voilà, j'ai un doute là. Ok. Pas grave. Ok, je vais vers le nord. Le nord, le nord, le nord, le nord. Ok. Je suis dans un bois marécageux. D'accord. On va l'appeler. Le canal prime, d'accord?
Donc la source, on va l'appeler la Big. Ok. Un ruisseau nommé Big. Ok, il va en direction du nord. Peu me chaud. Nous allons creuser vers le sud. Alors, est-ce qu'on est en rediffusion du live? Alors, sur Twitch, tu as mes 9 ou 10 derniers lives. Sachant que, je ne sais pas si vous étiez là samedi, mais j'ai testé un jeu, c'était assez cool. C'était Soul Trader, je l'avais un peu modé. Et sinon, j'ai un compte YouTube, youtube.com/fibretigre, sur lequel il y a toutes les vidéos, toutes. Là, on est en train de faire la 70e, et elles seront toutes les autres là. Allez, on va creuser un canal et on va aller vers le sud. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. SQLisons, où est le problème? Dis-moi le problème, SQL. Alors, il y a un problème. Champ big inconnu, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un nom rivière. Très bien, c'est pas grave. C'est ça que tu voulais? Tout à fait, il y aura ton nom, on parlera de Reims, tu pourras faire des captures d'écran de moi qui parle de l'arc-en-ciel et la montrer à tous tes potes dans la cour de récré, tu vas kiffer grave mec. Enfin je dis cour de récré mais peut-être t'es un mec hyper sérieux, tu vois, t'es peut-être le maire de Reims, t'es peut-être genre un fonctionnaire qu'il faut pas rigoler avec, tu vois. Et alors ben, je regarde vers le sud déjà. Ah! Ça marche. Ça marche. Ok, c'est cool, ça marche. Ben c'est cool. À part que il s'appelle Big. Enfin, c'est un. Attends, la nature. Attends, je viens de comprendre un truc. En fait, la nature. Donc déjà, c'est cool, ça marche. Bien, non? Ok, alors j'ai un problème, c'est que là, il a repris la nature. Or, la nature, on va créer une nature qui va être la nature 99. Qui sera le canal. Ok, canal d'irrigation. Donc en gros, la nature. Ce sera toujours 99. Ok. Et je vais un peu le modifier d'ailleurs. Parfait. Et si je regarde autour de moi. Ici coule le ruisseau Big. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier. Ici coule le ruisseau Big par ici se trouve le canal, tu vois. Donc, ce qu'on va dire, c'est. Ah non, mais. Alors, c'est bien. Alors, c'est dans gestion nature. Et là, on va mettre if nature égale 99. Là, on met le canal de la rivière Big. Ici coule le canal Big, c'est ça? On va rien. Testons. Je regarde. Ici coule le canal de la rivière Big. C'est parfait.
Et donc là, je vais essayer de le creuser, d'aller encore vers le sud, d'accord? Et si je vais vers le sud, ici coule le canal de la rivière Big. Voilà. Ok, c'est cool, ça marche bien. Et je suis mort qu'il ait migré. Ah non, c'est normal. La population. Ok. La journée, je fais quoi? Des jeux vidéo. J'en fabrique d'autres. Mais avec moins de liberté, malheureusement. C'est pour ça que je suis content d'être là le soir et de faire mes petits canaux. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Attends, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, ça c'est bien. Ça marche bien. Ah, il faut que j'enlève le print. Il est où? Là, je l'ai enlevé, mais je l'ai pas mis en ligne. Ok. Alors maintenant qu'on a fait un système de canaux. Attends, quête. Voilà. On va essayer de voir quand est-ce que c'est impossible les canaux. D'accord? Et ça, on va s'inspirer. Normalement, je peux. M'inspirer de un fichier qui traite déjà ça, mais qui n'est pas là et qui s'appelle gestion repère. Parce qu'autrefois, alors que Thomas n'était pas encore né, nous nous occupions de repères. Gestion repères, voilà. What? Non, ça c'est génération repères, ça n'a rien à voir. Je me suis fait. Je sais pas ce que je voulais dire. Ah ouais, c'est vrai, j'ai lancé des haches aujourd'hui. Ouais, Thomas, déjà, le truc que tu pourrais faire, c'est tu me follows sur Twitter et puis on en reparle. Voilà. Parfait. Donc là, on va faire. Alors, c'est pas très grave si on creuse un canal dans une direction où c'est pas possible parce qu'on pourra jamais aller dans la dite direction. Ok. Donc c'est dans quoi? C'est dans parler, je crois. On va regarder ça. Donc là, je mets ça là. Je ferme ça. If. If non égale rien, dans ce cas-là, on peut ajouter un truc à input spécial. Alors, vous savez quoi? C'est compliqué. Voilà. Donc, if non est différent de non eau, qui veut dire il y a un océan, et nord est différent de non m, qui veut dire qu'il y a une montagne. Dans ce cas-là, on a l'input spécial. Okay. Donc là, je vais faire la même chose avec le sud, l'est et l'ouest. Vous voyez, c'est indenté malgré moi, mais je vais le garder pour que ça ajoute un peu plus de trucs folklore sud. Est. Ouest.
Et voilà. Et on rajoute un petit input spécial pour gérer le font de fin. Et on est bon. Et voilà. Donc là, si on a une montagne et un... Ah ben mec, t'as raison, je suis sur Snapchat aussi, Fibre Tigre. Et d'ailleurs, si tu viens sur Snapchat, pour le coup, tu auras une masterclass de comment lancer des haches. Parce que c'est le truc que j'ai snappé aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai eu des... Et en plus, tu verras, je pars à Strasbourg. Tiens, je pars à Strasbourg, tiens. Ah bon, après-demain. Personne qui m'a rajouté. Ah si si, autant pour moi. Oh, 5 personnes m'ont rajouté. Cool. Il n'y a pas toi. N'y a pas toi, mec. Alors. Je vais essayer de creuser un canal jusque vers l'océan pour voir si ça bloque. Ok? Tiens, ça marche plus. Attends. Si nord est différent de non-nom et nord est différent de non-m, bah alors? C'est le cas, non? Quel est le problème? Ah, fatigant, fatigant. Je remets en ligne. Ok. Alors. Tu vas me faire le plaisir de printer Nord pour que je comprenne c'est quoi le problème. Alors, ça tombe bien, Nord il est égal à rien. Si Nord est différent de ça. Et que Nord est différent de ça, alors t'affiches ça. Ça me semble tout à fait honnête. Quel est le problème? Quelqu'un peut m'aider? Je comprends pas. Si la variable Nord, sachant que la variable Nord est vide là, ça devrait fonctionner. Je suis Ça va me crever les yeux, mais je sais pas. Merci. C'est quoi? Je mets si nord est vide. Ok. Si ça marchait très bien. Ok. Ça me prendra pas la tête. Non. Nord. Sud. Est et ouest. Ok, je le refais. Et ça n'affiche rien. Pourquoi? Pourquoi ça n'affiche rien? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quand je dis si nord est différent de rien? Et différent d'autres. Oh.
Pourquoi? Je suis dans le mystère total. Ok. Si je mets if 1. Là, ça devrait mettre le norme. Ah, mais attends, ça affiche rien du tout. Attends. What? Nord. Quand je creuse un canal, ça n'affiche même pas. Alors, ça c'est bizarroïde. Je vais en arrière. Hop, 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 hop. Donc là, ça affiche rien du tout, tu vois. Parce que j'ai oublié ce point-là. Ah! Ok, Google tweet, le traître était un point. Voilà. Ah, pourquoi on peut pas aller vers le nord? C'est marrant ça. Hein. Ça alors. Ah voilà, parce que c'est un problème. Voilà. Voilà, nord, sud, est, ouest. Ok. Donc ça, c'est un peu les. On a fait les directions qui sont valides. Ensuite, on a fait test de hauteur. Les tests de hauteur, et puis est-ce qu'il y a déjà un canal, tu vois? Parce que sinon, il y a des mecs comme Le Canard qui vont s'amuser à faire des canals, des canaux, excusez-moi, genre tu tires un canard. Ah! Tu tires un canard vers l'ouest. Un canal vers l'ouest. Un canal vers l'ouest. Tu le tires. Et après, tu retires vers l'est et à la fin, t'as 1 million de canaux, tu vois. Ok. Ça, c'est des tests qu'on va faire ensuite. Donc, ça, c'est fait. Montagne, océan, c'est fait. Ouf! Premier truc qui est fait. Ensuite, la hauteur. Ensuite, la casse. Voilà. On a besoin. Alors, on retourne là. Donc, select id from map, mais je vais chercher autre chose, je vais chercher la hauteur. C'est-à-dire l'altitude. C'est-à-dire si je creuse un canal vers un endroit qui est plus élevé, bah, l'eau, elle ne va pas monter, tu vois. Donc, c'est dans map. Et j'ai bien une hauteur normalement. Ça s'appelle élévation. Élévation. Select élévation. Ok. Élévation égale 1. Donc là, je récupère l'élévation du lieu sur lequel on est. Ok. Et ensuite, je vais chercher l'élévation du lieu sur lequel on va. Ok. Et je l'appelle élévation new. Donc là, je vérifie. If élévation new strictement supérieur, allez, on est sympa, strictement supérieur à élévation. Là, on met, c'est pas possible. Du coup, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Voilà. Là, je mets là aussi. Vous tentez, vous ne pouvez pas creuser. Vous ne pouvez pas creuser un canal. La direction nord, car le terrain est en pente. Car le terrain
Car le terrain vers le nord. Et non, okay, Google ne peut pas tout faire malheureusement. Donc, quand, attends, vous ne pouvez pas creuser un canal depuis le Rhône, car le terrain en direction du nord. En direction nord est plus élevé. Du coup, on va mettre ça en rouge. Même le mettre, vous ne pouvez pas creuser un canal. Aïe aïe aïe. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Et du coup, donc, dans ce cas-là, je mets et canal également. Attends, est-ce que j'ai canal? Donc, non. Ok. If canal différent de nom, alors on peut passer à la création du canal proprement dit. Parfait. Donc ça, c'est la première condition qu'on va tester tout de suite. Alors, je vais creuser un canal depuis Big, ok? Donc je vais creuser vers le sud. Ok, ça marche. Je vais le creuser vers l'est. Là, je ne peux pas, car le terrain est plus élevé. Je vais quand même vérifier qu'il n'en ait pas un creuser à l'est. Non, c'est cool. Et là, je suis sur le flanc d'une petite montagne, et si je vais vers l'ouest, je suis sur un haut plateau. Ok, ça marche. C'est cool! Ok, on a fait la hauteur. Maintenant, on va faire le fait qu'il y a un canal. Tu vois? Et puis, il y a même une source d'eau, quelle qu'elle soit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est if. Donc là, on cherche quoi? C'est le new id map, d'accord? Donc je vais vérifier. En gros, je vais tester là si est-ce qu'il y a une rivière, quelle qu'elle soit. Dans le comment s'appelle where idmap égale idmap new dans l'endroit où on veut aller, donc ça sert à rien, tu vois, si on fait ça. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait un million de canaux, tu vois, un million de canaux. Canaux, faut que j'arrête de dire ça. Check id check. Ok, et donc là, c'est if id check. C'est ce que j'aurais. J'ai mangé des pâtes ce soir, mais j'aurais adoré manger un poulet korma. Ça m'aurait fait super plaisir. Donc, si id check est différent de rien, creuser un canal depuis. Car il y a déjà. De l'eau dans cette direction. Déjà, comment ça s'appelle? Pas une rivière, mais comment on veut dire? Un circuit d'eau? Non. Hey, Chetty, ça va? Hey, salut! Non, on parle un peu de bouffe, mais on est en train de faire le fait de creuser des canaux, comment ça s'appelle? Hein,
On a une rivière, on creuse des canaux et là on vient d'empêcher le fait que on creuse un canal et que l'eau remonte, tu vois. Voilà. Salut Chetty. Bah écoute, je sais pas si c'est toi, mais on a plusieurs joueurs qui donnent des. Ah, une voie d'eau, merci, c'est ça. Il y a déjà une voie d'eau dans la direction. Ok. Et du coup, canal, non. Ok. Bon, bah testons, testons. Alors, vous savez, on a notre. Donc là, on a. Donc je vais aller vers l'ouest. Donc là, non, vers l'ouest, ça marche pas. Alors, vers le sud, on a déjà Big. Voilà, je retourne vers le nord. Donc là, je vais recreuser un canal vers le sud. D'accord? Et là, je peux pas parce qu'il y a déjà une voie d'eau dans la direction sud. D'accord. Et attends, j'essaye de le recréer vers le nord. Ok, c'est pas parfait. Bon, bah ça marche. Donc on a fait le deuxième truc. Ça marche. Yeah, c'est cool. Ah bah écoute, c'est top, hein. Et en plus là, les gens qui sont sur le channel, c'est des explorateurs, donc peut-être qu'ils vont. Attends, je vais te montrer un truc, tu vois, regarde. Tu vois, si tu fais, on a une section fan art là, et on met les, il y a des gens qui ont fait des choses, tu vois, genre ça c'est des aventuriers. Ça, c'est une vibra limace, tu vois. Donc, eh ben, écoute, si tu veux savoir le but, regarde, Thomas. Là, tu as une quête, donc tu suis la quête, tu vois. Et maintenant, dans le jeu, non seulement tu te balades, mais tu as une gestion de la vie. Il faut que tu trouves des fruits qui te nourrissent, il faut que tu fasses attention. Et tu as des quêtes, voilà. Ça devient cool. Il se passe plein de choses cool. Mais c'est cool, tu étais là depuis le début, tu vois. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter dans l'anthologie. Parce que dans l'anthologie, alors c'est qui? On avait Caster, là. Donc, notre personnage, comme vous pouvez le voir, il a fait des choses. Il a créé des canaux, mais ça n'a pas été pris en compte. Donc là, on va modifier l'anthologie. C'est rien du tout. If action égale 32, non à creuser un canal à partir de la rivière. Et là, on met un joli bleu 00088. Voilà. Bah, comme tu peux le voir, là, Chetty, c'est le truc 70, c'est-à-dire que c'est la 70e étape. Et il y a aussi autre chose, c'est que depuis la dernière fois que tu es venu, nous avons un nouveau compagnon, c'est Google. D'ailleurs, et Google, déjà, il va faire deux choses. Premièrement, il va dire, OK Google, tweet, bienvenue Chetty. Ok, je le tweet. Et ça tweet directement sur le Twitter de Maspero Blue, donc arrobase Maspero Blue. Et deuxième point, Google nous raconte des blagues. Et je crois que on a bien mérité une petite blague de Google. Donc, OK Google, fais-nous rire. Une blague, c'est parti. Que dit un escargot qui rencontre une limace? Tiens, sympa la décapotable. Voilà. On se barre bien, non? Alors, regardons l'anthologie. Voilà. Parfait, ben ça marche. Ok, on a fait l'anthologie et maintenant on va faire la quête. Ok? Donc, détourner le cours d'une rivière. Donc là, il faut que je puisse implémenter le fait qu'on détourne le cours d'une rivière jusque vers un village. D'accord? Ça va être un peu chaud, mais on va le faire. Alors, comment on va faire ça? Donc, il faut déjà que je trouve un, comment ça s'appelle, renommée. Renommée une plante.
Eh ben oui, il écrit pas toujours, tu vois. Il comprend pas Chetty, tu vois. Mais on s'amuse bien. Alors. Ah. On m'envoie des trucs là. C'est quoi le truc? Alors, je cherche. Donc, déjà, je cherche. Ouais, la petite. Voilà, ça c'est la quête, d'accord? Ok. Ensuite, là-dedans, donc la quête se valide quand. Il faut que je vérifie, est-ce qu'il y a un village dans IDMAP? Ok. Donc, village. Ah, et bien sûr, les villages, je les ai stockés en longitude latitude parce que je suis vraiment un gros connard. Ok. Le tweet de OK Google, c'est @masperoblou, tout attaché. Et là, c'est le bug. Je t'ai pas parlé. Mais je peux lui demander de mettre de la musique, tu vois. Là, par exemple, vous ne pouvez pas voir, mais elle a mis YouTube, donc je peux faire OK Google, stop. Hop, elle arrête YouTube et je vous fais un petit tour de magie cool. Vous voyez, derrière moi là-bas, c'est ma chambre. OK Google, allume la lumière de ma chambre. Très bien, j'allume la lumière, vous voyez la lampe. Tadam! OK Google, éteins tout. Aucun contenu n'est en cours de lecture. Non, OK Google, éteins la lumière de la chambre. Compris, j'arrête la lumière, vous voyez la lampe. Alors, c'est pas cool? OK Google, mais YouTube. Ok, voici des vidéos YouTube recommandées sur les normes télé. En fait, ce qui est cool avec Google, c'est que. OK Google, suivant. Ce qui est cool, c'est que. En fait, tu es dans ton lit et imagine, tu as oublié, je sais pas, tu as oublié la lumière du salon. Bah, tu dis, vas-y, éteins la lumière du salon, elle éteint, tu vois. Le matin. Voilà. Donc, c'est cool. C'est quoi ce truc? OK Google, suivant. OK Google suivant. Gentle Xantor, elle me met. Je veux juste de la musique. Non, OK Google suivant. Ah voilà. Petit bruit de forêt, c'est sympa. Non, elle ne fait pas encore le café malheureusement. Voilà. Bah oui, je peux aussi le faire par Spotify, mais comme je l'ai mis à fond pour que vous puissiez l'entendre, je ne vais pas mettre trop fort la musique. Alors, donc là. On va donc l'idée c'est qu'il faut que. Ok. Donc idée élévation. Ça c'est longitude et latitude. Ok. Latitude. Donc là je vais chercher longitude et latitude. Longitude new. Latitude de New. Ok. Et là, on va faire. On va bien. Donc, à partir du moment. Voilà. Ok. Là, je vais vérifier si la quête est validée. Donc, c'est. Select ID from village. Est-ce que c'est au pluriel ou au singulier? C'est un village, voilà. Select ID from village where longitude égale longitude. Et latitude égale latitude. Ce qui fait que, comme les rivières ont tendance à descendre,
quand on va avoir des villages à flanc de montagne, ça va être compliqué de les. Moi, j'ai autant de blagues que vous voulez, hein. Ça peut être mal. On peut faire des quiz, des blind tests aussi. Ok, Google, raconte une blague. Encore. Vous voulez une blague? Ouais. J'en ai une excellente pour vous. Vas-y. Quel est le comble pour un dragon? C'est de devoir déclarer sa flamme. Franchement, c'est pas mal, hein. Moi, j'aurais 12 ans, je serais hyper heureux. 6 ans plutôt. Idée tchèque. Donc, idée tchèque, village. Ok. Et donc, si idée tchèque, village est différent de rien, ça veut dire qu'on a validé la quête. On a validé la quête. C'est dans pas anthologie, pas dans input, dans renommée. Voilà. Alors, c'est pas bien codé, hein, je pourrais optimiser ça, mais bon, je peux tellement optimiser le truc. Et non, je n'ai jamais regardé South Park de ma vie, mais en fait, je regarde très 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 peu de choses. J'ai dû regarder 4 séries en 5 ans. Alors, quel est. Mais dis-moi pourquoi j'aurais dû voir le dernier South Park. Quête, mission, voilà. Donc c'est la mission 6. If quête égale 6. Vous avez accompli la quête en cours, félicitations. Là, bonus de 50. What? Attends, je voulais te faire un truc. Fou quoi. Attends. Il y a un gros problème. Attends, attends, la deuxième mission, c'est quoi? Renommer un endroit. Attendez, mais il faut pas. Ah non, parce que c'est pris en compte dans quête, excusez-moi. Désolé. J'ai fait des fonctions tellement puissantes. Ok. Alors, tout est-ce qu'en. Je vais sauvegarder ça. Voilà. On va mettre ça en ligne. Maintenant, on va tester cette quête qui va être compliquée à tester, mais. Et ça marquera la fin de notre petite session ensemble ce soir, mais je vais mettre un peu de. La météo? Ouais, bien sûr. Ok, Google, quel temps fera-t-il demain à Reims? À Reims, demain, le ciel sera partiellement couvert avec des maximales à 18 et des minimales à 7. T'es content? Ok, on va essayer de trouver un campement au sud, d'accord? Donc là, il y a une source, c'est bien. Il y a encore une source là, c'est cool. Il y a une source, mais c'est bien, on a de la chance. Voilà, on est au flanc de montagne. Là, il y a une tempête terrible. Je cherche un campement. Putain, la tempête, elle est en train de me tuer là. Tornade de sable maintenant, je me prends tout quoi dans la tête. Ah putain, mais je me suis trompé. Bon, attends, je vais me soigner déjà. Je mange mes aubergines. Ok, on va voir si je peux manger ces immenses éponges roses là. Ça a l'air horrible. On va l'appeler chamallow, d'accord? Je vais en chasser un et on va essayer de le manger. Putain, elle est mortellement empoisonnée. Super. Ok. On va vers le sud. Putain, une tornade de sable. Sud.
Sud. Sud. Ok. Alors, je suis encore en petite forme. Je vais manger du gui. Ok, c'est un super gui qui m'a sauvé. Qu'est-ce que je peux manger? Un champignon. Tiens, on va voir. Donc, un très long pied. Marron. Marron à l'ail. Il n'y en a qu'un, je le ramasse. Je ne sais pas encore. Une éponge rouge, peut-être que celle-là, elle va nous dragibus. Ok. J'en chasse un. Il n'y en avait qu'une. Super. Ok. Ok. Donc là, je peux pas aller. Donc, je vais aller au nord. On va aller vers l'ouest. Ça va être compliqué, hein. Alors attends. Un troupeau de petites grenouilles roses. Ce serait marrant que je puisse les manger. Attends. Ça m'aiderait vachement. Attends. Moi, je vais essayer de voir manger le marron à l'ail. Yes, il était bon. Et la dragibus. Ah, c'était empoisonné. Aïe, aïe, aïe. Alors les grenouilles. Il est sauvage, il porte chance. Je vais appeler les mignonnes, d'accord? Il y a un troupeau de mignonnes. Alors j'en chasse une. Je croise les doigts, j'espère qu'elle va me sauver. Aïe, 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 ça va pas. Oh, il y a plein de champignons. Alors, un champignon. Une forme phallique, d'accord? Dents déchirantes. Alors, pénis de petit titan, ok? Ah non, pénis de titan, je peux l'appeler. Parce que. Il est immense. Allez, j'en ramasse un. On va le manger. Oh, putain, je suis en train de mourir. Ok. Allez, on va dans le sud. Il y a encore des mignonnes. Là, il y a des champignons rouges. Alors, c'est quoi? Rouge tacheté de blanc lunaire. Donc, tiens, tiens, c'est une amanite timouche. Alors, amanite de l'espoir. Je vais l'appeler parce que peut-être qu'elle va me soigner. Et j'en cueille une. Et je la mange. Et je suis mort. Ah, ah putain. Mais non, allez, nouvelle partie. On va l'appeler le canalisateur. Allez, hop, homme. Voilà, hop. Donc il a tout vu, il a visité l'Himalaya, il a plusieurs voitures, il était divorcé, chef politique. Et je pars avec un hand spinner. Voilà. Ok. On va déjà se faire une première étape, on va essayer de trouver de quoi survivre. Tu vois. Donc là, peut-être. Non, donc cette arme n'a pas. Cette arme. Ah, cette arme a des fruits de couleur orange. Donc un oranger ionique, d'accord? Dorique, tiens. On verra bien que c'est une colonne. Alors je vais. Il y a une dernière petite forêt. Donc je cueille une orange. Ok? Je la mange et c'est une super orange, ok? Donc je vais tous les ramasser. Ramasser tout, 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 tout. Je vais attendre au moins qu'il n'y en ait plus qu'un. Après, il faut en laisser au moins un, je vous le dis, parce que comme ça, il peut y en avoir d'autres partout, tu vois. Là, il n'y en a plus qu'un. Parfait. Ok. On a de quoi tenir. Donc je vais aller plein sud. On va essayer de trouver un campement et une source. Ok. Dans une jungle. Je suis dans une mangrove.
Là, il y a une source, ok? Et je suis dans des collines. Là encore, il y a une source. Ok. Il y a un habitant, on verra ça. Je suis encore dans des collines là. Dans la brousse là. Donc là, le problème, c'est que j'ai moins de chance d'avoir de la source parce qu'il y a moins d'eau. La brousse, c'est typiquement le. Alors, je vais toujours. Là, il y a encore une. Ah, c'est pas, il y a une source. Ok, on est toujours dans les collines, il y a une source. Donc là, je suis au plateau, je peux pas drainer. Oh, une petite oie noire, c'est mignon. J'ai envie de l'apprivoiser, attends. Je vais manger un fruit. Et c'est trop mignon, j'ai toujours un. Elle est agressive, mais bon. Et elle a une carapace à pointe. Mais je vais l'appeler. Loi de garde, comme le chien de garde, tu vois. Et je vais l'apprivoiser. Juste pour l'avoir avec moi, c'est cool. Je vais vers le sud. Une tempête de sable se lève. Et en plus, je suis bloqué. Putain. C'est pas grave. Ok. Une tempête de sable. Tornade de sable. Bon, je vais quand même. Enfin, dès que je suis sorti de la tornade, je mange mon fruit là. Ok. Un grand corbeau arc-en-ciel. C'est beau ça aussi. Putain, c'est beau un corbeau arc-en-ciel, franchement. Je vais manger mon fruit là. What the fuck? Ah, ça c'est drôle. C'est toi qui as créé la Gothica. C'était une mousse noire, c'est très joli. Donc là, je redescends. Ah, là, il y a une source, parfait. Parfait, parfait. Allez, maintenant j'aimerais trouver un campement. Allez. Tant que j'ai pas trouvé de campement, on peut pas commencer à. Ah, très bien. Un marécage sur un terrain plat. Super. Une odeur pestilentielle de pourriture végétale. Le temps est magnifique. Et dans les ténèbres de la nuit, de grandes galaxies tournent autour de nous. C'est beau. Ouais. Alors, marécage. On va l'appeler. Les champs à inonder. Ah merde, il faut que je refasse toutes les quêtes. Oh, putain, renommer un campement, ben, ça tombe bien. On va l'appeler sécheresse, d'accord? Ok. Trouver une quête. Alors il y a quoi dans sécheresse déjà? Il y a une tente, un bivouac, un bivouac. Je sors de sécheresse. Alors je vais vers le sud. Non, là, c'est. Là, je vais retourner vers le nord. Ok. On va retourner vers le nord. Ok, de grandes galaxies tournent autour de moi. Putain, il faut que je refasse toutes les quêtes. Ah. Alors, nord, nord. Ah, un homme salacaline. Alors, est-ce qu'il est. Oh, il est amical. Ok. Une tête de salamandre. C'est pas mal, ça. Alors, un homme salamandre. Comment on peut appeler ça? Ok, Chetty, à bientôt. Bisous. Un homme salamandre.
Je vais l'appeler cool, d'accord? Alors cool, rejoins sécheresse. D'accord, je m'y installe. Très bien. Il faut que j'ouvre une source ensuite. Très bien. Donc je retourne vers le sud. Non, je retourne vers le nord. Nord. J'ai trouvé une source à un moment. Nord. 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 Une femme hippopocha. C'est marrant ça. Ah, une source. Même s'il y a une tempête terrible. On va l'appeler l'eau des tempêtes. D'accord? Ok. Ensuite, je mange un fruit parce que ça va pas bien. Ensuite, je vais creuser un canal vers le sud. Parfait. Il y a déjà une voie d'eau dans le sud? Ah oui, parce qu'il a coulé vers le sud. Parfait. Je vais vers le sud. Ok, et là il plonge. Ok, c'est pas grave. Je vais me soigner. Et là, je vais creuser un canal vers le sud. Par contre, il faut absolument que je l'encode là. Alors attends, on va l'encoder. Petit problème d'encodage. Nom rivière, UTF-8, en code. Salaman, salut. Alors, je regarde autour de moi. Ok, je vais vers le sud. Je vais creuser un canal vers le sud. Je creuse un canal dans la direction sud. Très bien. On va bien bosser là, hein. Par contre, il s'est mal encodé. Ah, le terrain est trop élevé. Aïe, 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 aïe. C'est pas une bonne technique. Donc on va faire ça. On va mettre comme ça. Et là, je vais mettre non rivière 2. UTF-8 en code. J'ai du mal hein, à tester ça. Il est dur ce jeu. Bon, c'est. Alors, depuis Non-Rivière 2, car le terrain depuis Non-Rivière. Voilà. Ok. Donc, on va aller vers l'ouest. Je retourne vers l'est. Et il y a une source là? Oh putain, cool. On va l'appeler. Je vais lui donner un nom avec un accent. Le laiter, d'accord? Donc, je vais tirer vers le sud. Creuser vers le sud. Je vais vers le sud. Et là, je vais aller merde. Je vais vers le nord et je viens d'où? Il y a un brouillard pas possible. Non, c'était vers l'est alors. Vers l'est. Ok. Donc je vais vers l'ouest. Ensuite, je vais vers le sud. Ensuite, je vais aller à nouveau vers l'ouest. Ok? Creuser un canal. Non, vers l'est. Voilà. Ah, le terrain est plus élevé vers l'est.
Ok. Je vais vers le sud. Non, je vais. Je vais essayer de contourner en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le canal de la rivière l'été. Ok, donc là on va alors encore creuser vers le sud. Je vais vers le sud. On va vers le sud. Ah, je peux pas. Ok, super. Est-ce que je peux vers l'ouest? Yes, c'est cool. Ah non! Vers l'est. Ah. Ok. Donc attends. Je vais vers l'est, d'accord. Donc je vais retourner sur ma sur mon campement, d'accord. Je crois. Voilà, c'est ça. Champ inondé, parfait. Donc là, c'est un terrain plat. Alors, forêt sur un terrain plat. Je arrive d'un océan inconnu, super. Bon, ben on va aller vers l'ouest, l'est. Ok. Mon dernier espoir. Ok. Ça va être chaud. Une tempête de glace dévaste tout. Un orage de neige. J'aimerais pas tester ça ce soir. Allez, je veux juste un petit, une petite source là. D'ailleurs, je suis tombé sur un autre campement, quoi. Ah là là. Et là, il y a une source, ok. Maintenant, ce qui serait cool, c'est que je vais vers le sud et il y a un campement, quoi. Ok, on va aller vers le nord. Là, il y a une source. J'arriverai pas à la source. J'ai pas la force. Mais bon, je pense que ça devrait marcher. Ah, là, il y a une source, ok, toujours, c'est bien. Bon, il y a encore une source. C'est riche en sources. Ah, yes, trop bien. Ok, cool. Donc, la jungle... New Hope, ok. On est bon, on est bon, on est bon. Ok, et là on va l'appeler sec. Il y a combien? Trois trucs. Donc je sors de sec. Je vais dans le sud. Là, ondoyant. Et là on va l'appeler généreuse, d'accord? Non, généreuse j'en ai déjà eu. Flow, d'accord? Du coup,
je vais creuser un canal depuis Flow. Et là, je creuse vers le nord. Ah, je peux passer plus élevé. Ça, c'est juste à côté, quoi. C'est ouf. Allez, je reviens vers le nord. Et avec un peu de chance, à l'ouest. Non. Non. Ok. Et à l'est, avec un peu de chance, à l'est. Yes! Le flow est sans accent. Vers l'ouest. Yes! Et j'ai accompli la quête en cours. Yes! Ça marche. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Attends, non, je vais à l'ouest. Et donc là, cool. Donc, on est dans. Il y a New Hope. Il y a un campement. Et il y a la rivière Flow qui coule. Voilà. Donc là, on a créé un canal entre eux. C'est beau, je suis content, ça marche. Ok, Google Tweet, on peut créer des canaux? Ok, je le tweet. Ok, Google Tweet, c'est trop bien. Ok, je le tweet. Bon, bah écoutez, c'est cool. Voilà. Je vais pouvoir updater mes checklists. Et on préparez-vous, sortez les mouchoirs, on est sur le point de se quitter. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir faire, enfin, pas maintenant, demain, ou plus tard, la gestion de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va donner des fonctions aux habitants du village. Voilà. La prochaine fois, évidemment, on ne se quitte pas sans une petite blague de Google. D'abord, je vais vous faire la blague. Alors, avant de faire la blague, je vais vous dire, voilà, c'était Maspero Blue 70. Nous avons créé des canaux fonctionnels, c'est trop bien. Demain, j'espère que je serai là. Sinon, ça va être compliqué à Strasbourg, mais je vais voir si je peux. J'espère que j'aurai la fibre. Ce serait cool que je puisse tweeter de là-bas. Enfin, m'aspérouer de là-bas. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi ce soir. C'était cool. On a un compte Twitter, @maspero_blue. Sinon, si vous voulez jouer au jeu, c'est maspero.blue. N'hésitez pas à jouer, à essayer de faire des quêtes, à renommer plein de trucs. Éclatez-vous, passez du bon moment avec ce jeu. Et je vous dis au revoir, non sans avoir fait une dernière blague de Google. Ok Google, fais-nous rire. De quoi souffrent les mathématiciens? De mots de tête. De calcul. C'est pas très rigolo. Allez, à demain!